Bonjour, ici Armorville et je vois que vous êtes venu pour assister à mon let's play de Brigandine en français. Excellente initiative. Nous allons suivre ce jeu. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi déjà Brigandine pour mon premier let's play? Parce que c'est un jeu qui est très peu connu et que je trouve vraiment excellent dans le genre tactique à l'RPG. Et vous allez voir, on va suivre ça ensemble et ça va être fun. En tout cas, je l'espère. Alors, je viens de mettre le CD dans la console. J'ai ma petite manette avec moi pour pouvoir suivre tranquillement ses aventures. Voilà le logo Atlus qui apparaît. Atlus est un très bon développeur de jeux d'ailleurs. Il a fait les Persona notamment. Cartia que moi j'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intro? Forsena, c'est un monde éloigné, dans un univers différent. C'est une ère mystique où les soldats de Forsena sont guidés par le mystérieux pouvoir des runes. Dans celui-ci, ils lient leur vie à la guerre, à l'amour et à l'amitié. Attention des golems! T'inquiète pas, je suis là. Oh putain. Yaha! Ouais, je l'ai eu. Ah, mais c'est qu'ils sont méchants ceux-là. Oui, ils sont méchants. Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, dragon. Dragon. Vas-y. Va cramer, c'est pas le moment de gueuler. Allez. Voilà. Ah. Ah, un rose. Ah, ça fait drôle. Ah, ah, c'est rigolo. Ah. Le brigand, il ne prend pas son petit déjeuner, il ne déjeune pas, il dîne. Voilà. Je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre la musique vu que j'ai baissé le volume pour qu'on puisse m'entendre, mais elle est excellente. Allez, on ne perd pas de temps et on fait start. Alors, choisissez votre personnage. Alors, on peut choisir 4 personnages dans le jeu, 5 même. En fait, ça correspond aux 5 pays de ce continent. Le continent de Forsena. Alors, il y a le pays de Kerlian. Kerlian est un petit pays entouré par la mer. Cette terre contient des pouvoirs mystérieux. Appuyons sur croix. Et là, on voit la tête du chef du pays. Il s'appelle Kai. Il a 8 chevaliers à sa disposition, 23 monstres, il a 6 domaines et 797 en mana. J'annule, je vais voir les autres. Iskallio, un pays magnifique, abondant dans la nature. Ah, malheureusement, les gens souffrent dans ce pays. Ah, il a une jolie petite tête de vainqueur. Ah oui, c'est de l'autre côté pour vous. Non. On va voir les autres. Léonia, un pays religieux, entouré par des barrières naturelles. Lyonnais. Ah, Lyonnais. Tu es une lionne. Norgard, ce pays gigantesque, est aussi connu comme étant le pays des tigres et des loups. Ah bah lui, il rigole pas. C'est un mec, un vrai, aux cheveux argentés et tout. C'est denté un peu avant l'heure. Alors non, il a un paquet de monstres. Lui. La Nouvelle Almeca, anciennement le prince d'Almeca, c'est maintenant le chef de la Nouvelle Almeca à travers le roi Coel. On appuie sur croix et on voit, bah voilà, c'est le héros qu'on voyait il y a quelques instants. Il faut toujours un petit jeune bien impétueux pour plaire à la jeunesse. Moi je vais partir avec Carleon. Est-ce ok? Oui. Choisissez le niveau de difficulté. Je suis pas un petit joueur, mais je vais jouer en hard.
Nao loi dingue. La loi est maintenant totalement folle. Forcena, la terre du mystérieux pouvoir des runes. C'est le calendrier sacré du roi de l'année 2114. Almeghia, le plus puissant pays localisé au centre de Forcena, a finalement gagné la guerre contre le pays de Norgard. On pensait qu'Almeghia allait ramener la paix au continent. Cependant... L'heure est grave. L'heure est grave. Non, vraiment, c'est pas le moment de rigoler. Royaume d'Almeghia, capitale l'ogresse. Qu'y a-t-il, Cador ? Votre Majesté, il y a un an, vous nous avez mené à la victoire sur le roi de Norgard, qui était le pire ennemi d'Almeghia. Depuis, vous avez consolidé notre victoire en leur prenant une partie du territoire de Vaynart, le successeur du roi. La paix sur ce continent et la prospérité de notre royaume sont dus à vos accomplissements de commandant de l'armée almeghienne. Ben, viens-en au fait, t'es pas venu pour nous faire une leçon d'histoire, je crois, non ? Ah, vous avez raison. Je suis là pour vous dire que le roi Ungwisht a mis en place a demandé un mandat d'arrêt envers votre personne. Il semble que ceux qui sont jaloux de vos accomplissements lui ont donné cette idée. On vous a accusé de trahison. Mais c'est ridicule, ça. Je n'ai rien fait que de me dévouer corps et âme à la victoire et à la prospérité de ce royaume. Comment ose-t-il questionner ma loyauté ? Ils doivent mourir pour ça. J'ai fait toutes les préparations nécessaires et tout ce dont j'ai besoin à présent, c'est votre ordre. Quoi ? T'es en train de me dire que je dois vraiment devenir un traître ? Mais il n'y a pas d'autre moyen de vous en sortir. Il est temps que vous tuiez le roi pour devenir notre nouveau chef. Votre Majesté ! Oh, ça ne serait peut-être pas si mal de devenir roi finalement. Pourquoi attendre vainement que les autres me détruisent ? Je vais me battre, vu que c'est comme ça que je vis. Tout ce que je veux, après tout, c'est la puissance, et je ne tolérerai personne qui se dressera dans mon chemin. Cador, invoque mon armée. Il est temps que ces porcs du palais réalisent la puissance que je possède. Oui, monsieur. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'une fois que je me serai mis sur le trône, ça ne va pas seulement causer le désordre dans notre Almeghia, mais le chaos se répandra dans tout le continent. Es-tu vraiment sûr que je fasse ça, Cador ? Il faut bien faire des sacrifices pour qu'un roi règne tranquillement. Je suis certain que tu peux régner non pas seulement sur Almeghia, mais c'est aussi sur le continent tout entier. Je comprends. Je suis maintenant déterminé de me battre jusqu'à ce que je devienne roi, peu importe les désordres que cela peut causer. Tout le continent peut très bien brûler dans le processus. Calendrier du roi sacré, mois de février de l'année 215. Un coup d'état a été mené par le commandant des troupes, Zemekis. Le roi Ungwisht a été vaincu et tout le château a été occupé par l'armée du commandant. La longue histoire du royaume d'Almeghia était arrivée à son terme et l'empire d'Escarès est né. C'est le début d'une nouvelle ère de désordre et de chaos. Les soldats sont menés sur le champ de bataille, là où le destin les attend. Château de l'Inuit. Hey, Kai, réveille-toi. Réveille-toi, Kai. Réveille-toi, putain. Mais qu'est-ce qu'il y a, Marriott? Il est encore tôt, là. Kai, maman me dit que le roi doit être toujours le rôle modèle pour les gens. Tu es le dernier à te lever dans ce château, mais t'es le putain de roi. Mais j'ai pas choisi à devenir roi, moi. Oh, ça repartit. Ah, c'est pas le moment de plaisanter, hein, mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé, là, au moins ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à Almeghia, par hasard ? Ouais, c'est exactement ça. Mais comment t'es au courant ? On vient de le savoir à l'instant, là ? Ouais, je te dirai ça plus tard, tout de suite. Va rassembler tout le monde, tu veux, mais il faut que je leur parle. Château des Nuits, salle de meeting. Alors, comme ça, vous vous attendiez à ce que ça arrive ? Exactement. Almeghia doit beaucoup au succès de Zemekis. Mais comme le veut le dicton,
Le chien de chasse à qui il ne reste plus rien à chasser se mettra à chasser son maître. Sans ennemi restant, Almekia n'avait plus qu'une crainte, Zemeckis lui-même. Ce n'était qu'une question de temps avant que le roi et que Zemeckis se retrouvent dans une situation pareille. Ah, je vois qu'on ne t'appelle pas le sage roi de Kalion pour rien. Je me demande comment il réussit à maintenir cette bonne réputation d'ailleurs. Il semble pour moi qu'il est toujours en train de dormir. Il devrait s'appeler le roi dormeur de Kirlion, plutôt. Lâche-moi un peu, Meriot, là, hein, ok? Poufias. Alors, que doit-on faire maintenant, votre majesté? Je suis sûr que Zemeckis va essayer d'étendre son empire. Il ne sera pas satisfait rien qu'avec Almekia. Il a reçu son statut de gloire à travers le combat. Il essaiera de prouver qu'il est le roi par le combat. Le chemin vers la domination totale. Exactement, mon pote. Et pendant ce temps-là, j'ai entendu dire que le prince Lens d'Almekia a réussi à s'échapper du royaume et il a été pris. Il s'est réfugié en fait dans le royaume d'à côté, à Padstow. Et Padstow, je crois bien qu'ils vont se battre pour la restauration d'Almekia. Oui, c'est ça, le roi cruel de Pasto est loyal envers la famille royale d'Almekia. Weinhardt, qui est devenu le roi de Norgard, ne ratera sans doute pas cette opportunité. Il attendait le bon moment pour contre-attaquer, et c'est la chance parfaite pour lui. Alors, comme ça, cette guerre va impliquer le royaume tout entier d'une manière ou d'une autre. C'est bien ce que je dis, oui. Vraiment? Mais est-ce que Carleon va s'en sortir? Mais bien sûr qu'il va s'en sortir. Nous avons de super soldats chez nous. Il y a Dinadan, maître chevalier, et mon frère. Alors, en tant que chevalier, comment puis-je trahir les attentes d'une si jolie princesse? Vient-il de m'appeler une jolie princesse? Quel charmeur celui-là. Ouais, ça va bien, Mireille. Bon, comme vous le savez, nous sommes à la frontière non seulement de l'Empire d'Esgarès mené par Zemeckis, mais aussi d'Iscalio, mené par le roi Drist. Ils vont avoir envie d'envahir notre pays, il faut nous y préparer. Votre Majesté, nous sommes tous d'accord avec vous. Mais préparons-nous à faire la guerre. J'ai bien peur que cette guerre d'ailleurs ne s'arrêtera pas tant que quelqu'un n'apportera pas un nouvel ordre sur ce continent. Nous devons faire de notre mieux pour être ce quelqu'un. Ce Mekis a beau être un puissant guerrier, il manque de stratégie. Il semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui se dresse derrière cette rébellion. Quelqu'un qui veut amener le chaos sur ce continent. Phase d'organisation. Bon, la vidéo dure depuis 13 minutes. Je vais l'arrêter là pour l'instant et la suite viendra d'ici peu, je pense. Merci de suivre.